Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la recette que nous allons voir ensemble, c'est comment faire du chili chicken. Chili chicken, c'est une recette faite avec des morceaux de poulet marinés aux épices indiennes, puis frits façon beignet. Et puis pour finir, on fait sauter le tout avec d'autres épices et ingrédients dans un wok. Si vous n'avez pas de wok, une casserole, c'est bon aussi. 750 g de poulet au choix. Cuisse de poulet ou blanc de poulet, désossé, coupé en petits dés, un œuf en entier, 3 cuillères à soupe de farine de blé, 1 cuillère à soupe de maïzena, fleur de maïs, 3 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre haché, 2 cuillères à café de poudre de fenouil, 1 cuillère à café de piment, sinon du paprika pour les fragiles, du sel pour le goût. Maintenant, je vais attaquer la marinade. Donc, j'ai mis le poulet dans un bol. J'en rajoute le gingembre et l'ail en purée. Tac, tac. L'œuf. Du sel. Poudre de fenouil. Piment. Maïzena et la farine. Maintenant, je vais mélanger le tout et après, pendant 30 minutes, je vais mettre ça au frais. La marinade est prête. Par contre, si besoin pour la marinade, n'hésitez pas à utiliser un deuxième œuf ou un peu d'eau. Là, je vais attaquer la friture. Dans une casserole, je fais chauffer de l'huile pour la friture. Maintenant que l'huile est bien chaude, je vais mettre les morceaux de poulet à l'intérieur. Morceau par morceau, c'est mieux. Par contre, il faut faire ça assez rapidement quand même. Vous voyez que c'est bien doré, donc je vais les sortir. Une fois que c'est doré, on les sort. Pour la deuxième étape, j'ai besoin de 2 oignons coupés en cubes et un demi-poivron coupé aussi en petits carrés. Du piment ou du paprika, mettez la dose que vous voulez. Graines de moutarde et des graines de fenouil équivalent à 1 cuillère à café. Un demi-jus de citron, 3 à 4 gousses d'ail. En morceaux, un petit morceau de gingembre coupé en petits morceaux, 3 cuillères à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, de l'huile pour la friture. Maintenant que j'ai fini avec la friture, dans un wok, je mets 3 cuillères à soupe d'huile que je fais chauffer un petit peu et après, une fois que l'huile est chaude, je rajoute les graines de moutarde et de fenouil. Gingembre. De l'ail. Feu moyen. L'oignon. Et le poivron. Et je vais les faire cuire pendant 2-3 minutes. Feu moyen toujours. 3 minutes après, je rajoute le piment, le ketchup, équivalent à 3 cuillères à soupe, la sauce de soja. Ah, j'avais oublié de vous dire, et un peu d'eau, équivalent à demi verre d'eau. Et on fait cuire encore 3 minutes, feu moyen toujours. Maintenant, je verse le poulet. Et je mets le jus de citron, demi-jus de citron. Et on mélange le tout pendant 2 minutes. Et voilà le travail. Moins de 10 minutes de cuisson en tout, hein, avec les oignons, les poivrons, tout compris. Voilà, voilà, je coupe le feu. Et voilà le travail. Alors, ça vous donne envie ou pas?
Moi, je vais me régaler, je pense. Je vous confirme. Trop bon. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.